voyager outre-Atlantique, de l'autre côté, je voyais même pas. Mais non, ça a changé ma vie. Puis il y a cette histoire où ouais, je fais une audition avec Luc et Richard Cochian, puis ils me donnent le rôle parce que déjà ils me trouvent moche d'office. Non, ils ont fait comme coup, ou la gueule, je pense que c'est lui. Ils auraient eu surtout le coup. Non, mais pour vrai, c'est que Luc Plamondon avait dit à Richard Cochian, j'ai trouvé un chanteur de blues dans les bars, peut-être que ça pourrait le faire. Et lui, il dit, non, je veux pas être chanteur de blues, parce que Richard Cochian, on va se dire, on peut très bien comprendre, il fait de la musique d'un lyrisme incroyable, je veux dire, c'est digne de l'opéra, c'est un compositeur exceptionnel, puis un grand mélodiste. Et donc, il dit à Luc Plamondon, non, je veux pas être chanteur de blues, il va détruire mes chansons. Bref, il n'est pas fan de blues. Il l'était pas. Parce que l'audition, qui normalement, je pense que quand il pourrit, ça doit durer 1 minute 40, puis c'est hâte. Ou quand ça se passe bien, tu peux faire, je sais pas, 8-10 minutes, quoi. Et quand ça se passe vraiment bien, ça dure probablement 20 minutes, où on fait quelques chansons, puis c'est bien, on va travailler. Et quand t'es vraiment lourd, et tu restes pendant 4 heures. Je voulais plus partir, on s'amusait comme des fous, et croyez-le ou non, pendant 1 heure de temps, j'ai joué du blues avec Richard Cochian au piano qui était là sur l'audition, et on s'est régalé. Et des années plus tard, ils m'ont écrit cette chanson-là qui s'appelle Le blues dans le sang. Dans ma vie,
Down the shore.